Hey, salut à tous, c'est Darkrai Mythical qui est avec vous pour une ouverture du coffret. Vas-y, je te laisse expliquer un petit peu. Alors, c'est le coffret Tocorico. Et puis, il est quoi? Un shiny. Chromatique. Chromatique. Bon, chromatique, shiny, c'est pareil. Eh oui, et qu'est-ce que tu vois comme booster? Ça, c'est Alors, quoi? un Volcanion de la série Offensive Vapeur. Celui-là? Celui-là, c'est Soleil et Lune. Lequel, première ou deuxième génération? La première. Avec Luna là. Et les deux autres, c'est quoi? Les deux autres, c'est Gardien Ascendant. Gardien Ascendant, Soleil et Lune 2, exactement. Ouais. Attends. Bon, maintenant, ça va être le plus chiant, ça va être le déballer comme à l'habituel. Parce qu'alors, ils sont durs à ouvrir. Mais, allez, ouvre. Bah oui, mais j'aime pas ouvrir n'importe comment, on va dire. Bah, déjà, Prépare. le protège-carte. Alors attends, t'as préparé un grand ou un petit? Ah bah mets un petit, je te laisse faire. Alors déjà, bah comme il l'a si bien expliqué, nous avons deux gardiens ascendants, de Soleil et Lune, avec Tocorico en plus Fenard d'Alola. Nous avons le Soleil et Lune première génération avec Lunala. Et ensuite nous avons le Steam Siège, qui est l'offensive vapeur avec Volcanion, où j'aimerais bien attraper quelque chose, mais on verra bien. Ensuite, le code online, servez-vous parce que moi je ne l'utilise pas. Donc voilà. Ensuite, nous avons la carte jumbo du Tocorico chromatique, qui est vraiment excellente. Franchement, Il est bon en shiny. ouais, il est super bon shiny. Doucement. T'y arrives pas? Non, c'est bon. Et puis tu mets une seconde. Jamais. Non, tu mets une seconde avant. Et ensuite, on va passer à l'ouverture de booster. Vas-y, mets une seconde là, une petite. Regarde. Ah oui, Celle... Non, celle-là, regarde. Elles sont à poil plus résistants. Ah mais non, mais c'est quoi ce délire? Ça, c'est Bon, celle laisse qui comme me ça, je plaisait. trouverai. Et puis on va la présenter. Et oui, le Tocorico chromatique qui était annoncé en plus. Bon, par Ah contre, la oui. carte Jumbo, elle a morflé un peu, mais c'est pas grave. Bon, moi je vais commencer surtout par. Attends, je vais les mettre dans un ordre. Non, non, on va les laisser comme ça parce que d'un côté, et puis tu me les passes. Parce qu'on va commencer de la plus ancienne à la plus récente. Ce sera plus drôle. Attends. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, oula. Ouais, c'est rien, ça t'inquiète pas. Le code online, comme d'habitude. Alors, 2, 3. Il faut juste pas que je me trompe dans les 1, 2, 3, 1, 2. Parce qu'alors. Elle est sympathique cette musique. Bon, nous commençons avec le Elionso. Le Tarinor, Granipio, oh, Flingouste, j'allais dire Grand Blast, mais non. Grelasson, le Florable, le Fossile Anorite, Diamat, attends, oui. Diamat, ouais, parce que le premier c'est Solushi. Oh. Alors, ça c'est Trompignon, Trompignon, si je ne me trompe pas. Et derrière, nous avons le. Oh. Oh, sympa, le Nemelios. Faudra que je regarde, mais je crois qu'il me, je l'ai déjà celle-là en carte rare. Bon, alors ensuite, bah, on prit la chance pour avoir une carte dans Soleil et Lune, quoi. Ouais. Non, je préférerais avoir autre chose, une ghost. Ah, une ghost ou une full art, alors au moins, parce qu'il y en a quelques-unes qui me manquent dans cette série, puis j'aimerais bien les attraper. Puis après, même si on n'a rien. On a rien, hein, c'est le hasard des displays. Alors, le Togedemaru, de Oh. façon. Oh, Hotaquin, Nosferatu, Nostra. le Carvana, le Snivel, Snowball. l'énergie fée. Ah, oh, le Oh, Persian personne n'a le d'Alola, là. j'aime pas spécialement. Ah. Ah, et Flèche. Ouais. Ça, c'est la Next Ball, je sais plus en français. Enfin bref, le Lantern. On a le reverse Joli. et derrière nous avons le Hariyama en rare. Bon, allez, deux boosters où il n'y a rien. Allez, les gardiens ascendants, sauver un peu ce coffret quoi. En plus, le Fenard d'Alola, mon préféré. Et celui qui m'a porté plus d'une fois la chance. Alors, j'aimerais bien essayer de voir si je peux compléter ma collection avec ça. Alors, le code online. Attends. Eh oui, comme d'habitude, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Alors, nous avons le bébé Kai,
le sauf qui pou, le Machoke, le Wenmer. Alors ensuite nous avons le Nourson. L'énergie haut. Non, je regardais juste ce qui allait nous arriver. Sympa. Alors, le Chelours, le Mamambo. Alors, Cibière. Ensuite, nous avons le sort bébé. Et qu'est-ce que nous avons derrière? Oh oh. Ouh. Eh ben, et voilà. Égaliseur GX. Et je crois que je l'avais pas en plus. Moi, je... Yes. Ça me sauve le booster, oui. Et attends, parce que maintenant il nous reste encore le gardien ascendant. Alors, et oui, il nous en reste un. On va voir si il apporte la chance jusqu'à la fin. Alors, le code online. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Alors. Alors, on a de nouveau le sort bébé que nous avons eu en Holo Reverse, le Melofé, non, attends, le Rockabow, celui Professeur Forme, Barloche, oh, Rakayuda Lola, alors l'énergie fée, le Onigladi, le maillet écrasant, le patch aquatique, oh, ah oui, très bien ça, le Sablero d'Alola, et derrière nous avons des Céliandres en rare. Ah bon? Ah bon, je savais pas qu'il existait, mais bon voilà. Comme quoi. Hein. Bon, en tout cas, pour faire un petit récap très rapide, nous avons eu quand même, en dehors des deux cartes, nous avons eu le Ekaiser GX, ouais. Une et... carte qui me manquait et qui va s'ajouter à ma collection. Et puis voilà. Oui, le Ekaiser GX, c'est très et sympathique. En plus, c'est... Non, et puis le Tokoriko Chromatique qui s'ajoute aussi à ma collection. Ce qui fait très plaisir, hein, parce que franchement, il est très très beau en noir, j'apprécie. Donc voilà. Bon, sur ce, je te laisse dire au revoir. Au revoir. Je vous souhaite une toute bonne journée, je vous dis à tout bientôt et bye bye.